Et rebonjour les copains dans cette nouvelle vidéo concernant l'ordre du Tétard. Cette fois, on va chercher des rois fangeux, des crabes fangeux et des chasseurs fangeux. Normalement, il y en a souvent ici où je suis. Il y a un event aussi régulièrement qui pop. Là, si vous la voyez, l'event, et que vous avez cette quête-là à faire, vous avez juste à venir ici, qui s'appelle le banquet des prétendants, qui se trouve juste là. Et là, vous allez avoir plusieurs pops de fangeux de tous les genres, de toutes les sortes et de tous les styles différents. Mais sinon, il y en a des fois, hein, pas toujours. Il y en a des fois sur les côtés. Ah ben là, il y en a au milieu, tiens, il y en a là. Ah ben, ils sont morts. Non, ils ont été tués, ouais, ils ont été tués. Ils sont morts. Des fois, il y en a sur les côtés. Où vous voyez, là, de l'autre côté du lac, là-bas, là, j'en ai, il me semble que j'en ai... C'est quoi ici? Fangeux à carapace molle. Ouais, il y en a tout le tour du lac, en fait. Il y en a à peu près partout. Tenue, tocotom, tocotom. Là, je vais vous montrer le deuxième spot. Alors, ici, c'était le premier spot. Vous avez le prix 76. Juste ici, le camp des pionniers. Et l'autre spot que je connais pour des fangeux, c'est ici, au camp du Levant. C'est assez chaud, hein, mais je connais pas d'autres endroits où vous pouvez avoir tout en même temps la reine, le roi, chasseur, fangeux, tout en même crabe, fangeux, tout en même temps. Je pense que vous allez les trouver ici. Bon, on va prendre mon arme numéro 2. Tac, tac. Et ça commence ici. Voilà. Mais vous n'allez pas devoir les tuer, vous allez devoir prendre des photos, je pense. Comme ça, un roi. Il n'est pas mort, maintenant il l'est. Toi, t'existes plus. Et la queen, la reine des fangeux. Bon, il n'y en a plus de reine des fangeux, elle est morte. Voilà, c'était les deux coins principaux que je connaissais, les copains, où vous pouvez trouver des fangeux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un petit pouce bleu serait apprécié. Au revoir.